Ce jeudi 31 août, Pascal Pro et ses chroniqueurs ont débattu sur la gestation pour autrui dans l'heure des pros sur Knou. La vis de Jenny Bastier a enragé Christophe Beaugrand qui a tenu à réagir. Si est-il à rentrer sur Knou? Pascal Pro est de nouveau à la tête de l'heure des pros et si est-il le grand retour des débats sur des sujets d'actualité entre ses chroniqueurs? Ce jeudi 31 août, un sujet a beaucoup fait parler, la gestation pour autrui. Opposée à la légalisation de cette pratique, la chroniqueuse Jenny Bastier a été très ferme en expliquant ses raisons et ça n'a pas plu à Christophe Beaugrand qui était devant l'émission. Christophe Beaugrand intervient par SMS. L'animateur et journaliste Christophe Beaugrand n'a pas caché son mécontentement. Au retour d'une page de publicité, Pascal Pro a révélé avoir reçu un message de ce dernier. Il a écrit un bouquin sur la GPA. Chacun connaît l'histoire de Christophe, qui est marié avec un homme et qui a un enfant, a d'abord commencé l'animateur pour faire un rappel sur le contexte. Celui qui s'illustre sur Knou et depuis peu sur Europe 1 a poursuivi en lisant le texto de Christophe Beaugrand, championne Jenny qui en 3 minutes a réussi à comparer nos familles à la pratique de l'esclavage et au lancer de nains. Des mots qui ont rapidement fait réagir la principale intéressée. Jenny Bastier répond à Christophe Beaugrand. La chroniqueuse a tout de suite souhaité défendre son point de vue. Je ne compare pas ces familles à la pratique de l'esclavage. Je ne mets pas en question l'amour qu'ils peuvent porter à leur enfant et à leur désir sincère et authentique d'être parents, a-t-elle commencé. Simplement, je réponds à un raisonnement qui consiste à dire qu'on fait ce qu'on veut de son corps et on peut prêter son corps pendant 9 mois pour une grossesse. Si on considère qu'on peut faire ce qu'on veut de son corps et qu'on peut le louer pendant 9 mois, alors on rentre dans une logique qui pourrait justifier l'esclavage, a-t-elle ajouté. Cette réaction a donné une idée à Pascal Pro qui aimerait animer un débat sur le sujet. Il a même proposé à Christophe Beaugrand d'y participer s'il le souhaitait. Il est le bienvenu même s'il est sur une chaîne concurrente, a conclu l'animateur.